안녕하십니까 시청자 여러분. Bonjour chers téléspectateurs. 반갑습니다 마리. Bonjour Oni. 아, 오늘 저희 뉴스에서는 우리의 특파원이 오베른 지방과 이 지방의 카푀에라 축제를 소개한다고 합니다. Dans notre édition d'aujourd'hui, nous retrouvons nos envoyés spéciaux qui vous présenteront le festival de capoeira de la région Auvergne ainsi que différents sujets. 먼저 프랑스에 있는 코스케 특파원을 연결해 볼 텐데요. Nous sommes en direct avec notre correspondant japonais Kosuke à Clermont-Ferrand. Kosuke는 오베른 지방 화산 중심에 있는 이 도시 클레르몽페랑을 소개한다고 합니다. Il va nous présenter cette magnifique ville située au cœur des volcans d'Auvergne. Kosuke, c'est à toi. Konnichiwa minasan. Imakara Clermont-Ferrand no machinami wo minasan ni shoukai shimashou. Clermont-Ferrand deha machi no mandaka ni hitotsu no ookina tatemono ga arimasu. Sore ga Cathedral desu. Cathedral wa Clermont-Ferrand no machi no shouchou nan desu. そのカテドラルの下で人々は集まり楽しげに会話を交わします。そしてクレルモンフェランの街には中世的な雰囲気とそして現代的な雰囲気が融合しています。その最も最たる例がラ・プラス・ド・ジョートです。ラ・プラス・ド・ジョートではオペラ座やそして大きなデパートなどさまざまな昔のものや新しいものが混在しています。カテドラルの下でさまざまな人々が集いそしてさまざまな空気昔の空気新しい空気が混ざっているその美しい街こそがクレルモンフェランなんです。ではさようなら。소식감사합니다코스케이번에는클레르몽페랑의카푸에라축제를알려드릴텐데요그첫번째주제로특파원미레이가대표자와의 만남, 카를로스와의 만남을 소개해 드린다고 합니다. Merci Kosuke pour ce beau reportage. Nous retrouvons maintenant notre envoyée spéciale Mireille qui couvre le festival de capoeira à Clermont-Ferrand. Mireille se trouve en compagnie de l'organisateur du festival de capoeira. Mireille, c'est à toi. Merci Marie de nous laisser l'antenne. Nous allons maintenant vous présenter l'organisateur de ce festival capoeira. Je m'appelle Carlos Alberto Vera da Costa. Mon nom de capoeira est connu comme Ataré.Je suis d'origine angolaise et je suis en France et je développe la capoeira en Auvergne. La capoeira, elle s'adresse à tout le monde. Moi, je dis à tout le monde parce que tous les gens ils peuvent le faire.Elle est libre et chaque personne elle vient chercher à travers la capoeira. On peut commencer la capoeira à l'âge de 3 ans jusqu'à.Attention, retour plateau dans 3 secondes. Oh, Marie, plateau Marie, qu'est-ce que tu fais? On est en direct. La régie, envoyez le CJ suivant. Qu'est-ce ser capoeirista en tu vida quotidiana?Bien, yo costumo decir que yo soy capoeira. Es una actitud. Como depende de cada persona. Si tú lo tomas como esporte, es solamente deporte. Si tú lo tomas como una forma de vivir, es una forma de vivir. Si lo tomas como un hobby, es un hobby.Thank you.
Pour moi, à chaque fois que je vais à l'académie, je me sens bien de voir le maître, les autres élèves, même s'il y a des différences entre nous. La langue, la couleur de la peau, la culture. On partage des choses dans la capoeira et on se comprend. Ça va, t'as l'air fatigué. Hein. Ah, 어제 술을 너무 많이 마셨더니. T'as un peu trop forcé sur le vin. Ah, 근데 와인 진짜 맛있었어요. Ah, 혹시 안나가 와인에 관해 소개할 거라는 거 아세요? Oui, t'as raison. Anna couvre un sujet sur le vin. D'ailleurs, nous retrouvons maintenant Anna à la découverte du vin d'Auvergne. Добро пожаловать в Авернь. Всегда вас буду рад видеть в Клермон-Ферране и Вик-Ле-Комте. Здесь. Авернь. Сердце Франции. Вик-Ле-Комт – его душа, окрестность Клермон-Феррана. Мы побывали в том месте, где растет виноград, где производится вино, где всегда радостно с открытым сердцем нас встречают. Je m'appelle Thierry Ciortino, j'exploite un domaine viticole avec une exploitation de 6 hectares, des cépages différents. Voilà, donc j'ai commencé en 98 avec un demi-hectare, aujourd'hui presque 6, des vignes qui sont enherbées. Donc je sème de l'herbe dans mes vignes pour le respect de l'environnement, voilà, qui est primordial actuellement. Au niveau donc, du pays du Puy-de-Dôme, chez nous, c'est un terrain qui est très volcanique, avec des terroirs justement très diversifiés, hein, qui peuvent à 200-300 mètres près changer totalement de roches. Donc essentiellement on a du basalte, du granit, de l'argéocalcaire et aussi des limons. Les limons c'est simplement des dépôts de la rivière qui passait chez nous il y a quelques millions d'années. Moi je fais on va dire 80 différents, donc du chardonnay en blanc, donc le cépage chardonnay. Après donc, je fais du gamay. Donc le cépage qui nous autorisait aussi dans l'appellation, le cépage qui est très aromatique, très fruité. Et je fais un assemblage gamay et pinot noir. Hein, donc le pinot noir va nous donner de la rondeur, de la souplesse. Et puis je fais aussi un pinot noir en fût de chêne, hein, où ça c'est très fin, très soyeux. Maintenant on va clôturer, je pense, par une dégustation, hein, où ça sera au mango. Vous allez mieux comprendre un petit peu ma passion que j'apporte à mon vignoble. Спасибо большое хозяину, который нас так радушно принял. Терри Скорцина, будьте здоровы. Всегда добро пожаловать в Авернь, Вик-Ле-Комт. Voulez-vous savoir ça?